La méthode que j'ai développée en fait pour ma première collection, c'est une méthode qui me permet de faire un vêtement avec un seul fil. Donc, par exemple, j'ai des pièces qui font 150 km de long. Cette première collection, ça m'a pris un an, c'est très long, mais j'arrive à faire en fait du sur-mesure. Je fais tout le temps le même geste et je me suis posé la question de l'automatisation et comment en fait on pouvait rendre plus rapide en fait cette technique-là. Et c'est comme ça en fait que j'ai déposé un dossier de bourse de recherche pour mettre en place un outil qui me permettrait de pouvoir en fait réaliser ces pièces plus rapidement, dans une temporalité assez proche finalement de l'impression 3D, de produire donc sans chute et de manière locale. Raccourcir le temps de production avec cette machine me permet de réintégrer un moment de partage, de prise de mesure, de discussion et de décision en fait du modèle. Et notamment la prise de mesure est quelque chose de très important. C'est simplement une méthode qui prend en compte la présence de l'individu en fait dès le départ.